Ok, donc on va maintenant parler plus en détail de la syntaxe du CSS. Ok, donc on va faire un peu de théorie. Comment ça s'écrit du CSS? Vous n'avez pas besoin d'écrire ce que j'écris, c'est pas pour le code, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc, tout d'abord, il y a un sélecteur. Sélecteur en anglais. Ensuite, j'ouvre une accolade que je referme après. Mon accolade, je peux la laisser sur la même ligne ou la faire passer à la ligne suivante. Ok? Et ensuite, j'ai autant de couples propriétés-valeurs que je veux. Donc, propriété, c'est property en anglais. Et valeur, value. Donc, comme j'ai dit, je peux en avoir autant que je veux. Ok? Donc, c'est ça la syntaxe du CSS. Maintenant, venez, on va l'appliquer sur ce qu'on connaît. Par exemple, ici, on avait notre tag HTML P comme paragraphe. Donc, on avait vu que notre selector, c'était, donc je vais supprimer ça, notre selector, c'était le P, parce que c'est lui qu'on veut sélectionner. Et ensuite, nos propriétés, c'était color, la couleur, red, rouge. Ok? Maintenant, on va dire que je veux lui rajouter d'autres couples de propriétés value. Donc, on va par exemple augmenter la taille de la police. Ok? Donc, font. Déjà, vous voyez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire avec l'éditeur de code. C'est qu'à chaque fois, il va me proposer les différentes options. Et ça va vraiment me faire gagner énormément de temps pour taper mon code. Parce que j'ai juste à faire entrer, il a écrit pour moi. Okay, donc, ici, je veux augmenter la taille de la police, on va dire à 30 pixels. Et je veux changer la police, tout court. Donc, font family. Et on va mettre du Arial. Voilà. Donc, j'ai mon selector P et j'ai mes propriétés color, font size, font family et mes valeurs red, 30px et Arial. Voyons voir ce que ça donne. Je rafraîchis notre page et voilà, le tour est joué. Maintenant, une autre chose, si vous voulez faire un commentaire en CSS, par exemple, laisser une valeur dont vous n'êtes pas sûr mais vous ne voulez pas forcément l'effacer. Ok. Donc, voilà comment on fait un commentaire en CSS. Slash étoile. Pour commencer le commentaire et étoile slash pour finir le commentaire. Donc vous voyez que la ligne avec font size, je l'ai mis en commentaire. Donc maintenant, si je rafraîchis ma page, eh ben ma size, elle est restée à ce qu'elle était par défaut. Elle n'est pas à 30 pixels. Ok? Donc voilà pour la syntaxe du CSS. Dans les cours suivants, on va parler des différentes propriétés de CSS qui sont extrêmement importantes pour nous. Voilà!